soldats à notre époque. Notre époque, telle que la connaît l'Europe occidentale, tout spécialement la France, comme je le disais il y a deux minutes, vit dans une grande absence de pensée, un vrai désert intellectuel quant à la question du soldat, de la chose militaire, de ses enjeux, aussi bien les enjeux philosophiques, anthropologiques que civilisationnels. Cette absence de pensée a d'ailleurs un sens, elle est le miroir de notre culture, de la culture postérieure à 1945. Nous vivons l'ère de l'effacement du soldat, et cela peut apparaître paradoxal, car en même temps, il suffit d'aller au cinéma, d'ouvrir son poste de télévision, de l'allumer, et on s'aperçoit que le soldat est omniprésent sur les écrans. Il est omniprésent dans cette sorte d'imaginaire qui est l'imaginaire visuel, mais en même temps complètement absent de la vie quotidienne, de l'expérience quotidienne de chacun d'entre nous. Nous ne le rencontrons plus dans la rue. Il n'est plus présent à l'Académie française, plus présent à l'Assemblée nationale. Les uniformes ne sont plus présents dans la rue. Donc il a disparu de la vie courante autant que, je crois, de l'imaginaire collectif. Et il faut ici distinguer entre un imaginaire passif et un imaginaire structurant. Alors, celui des écrans, l'imaginaire des écrans, où le soldat est présent, omniprésent, c'est un imaginaire passif. Il y est présent comme un fantôme, sur les écrans de télévision ou de cinéma. Le soldat, la guerre, pour l'homme contemporain, occidental, européen, français, ce ne peut être que loin, ce ne peut être que dans le passé, ce ne peut être que sur les écrans. C'est de l'imaginaire structurant que le soldat est absent ou dont il est parti ou dont il a été chassé. C'est cet imaginaire structurant qui a exclu le soldat de la vie collective, qui a chassé le soldat de la vie collective. L'interrogation sur le sort réservé au soldat doit donc être, je crois, une interrogation, est en même temps une interrogation sur notre monde et son devenir. Les causes de l'effacement du soldat, j'en parlerai dans quelques minutes, sont anthropologiques et civilisationnelles. Alors, je vais développer rapidement devant vous deux points. Le premier, c'est là où le soldat est encore présent, semble encore présent, qu'est-il ? Peut-on parler de soldat au sens traditionnel ? Mais, dira-t-on en effet, on voit le soldat au défilé du 14 juillet, par exemple. Cette fête, d'un point de vue, c'est autre chose que ce que l'on dit. Je la trouve dénationalisée, tout autant que la fête de Noël est déchristianisée. La France, ce jour-là, le 14 juillet, fait semblant de fêter l'armée, le soldat, la nation, mais le cœur y est-il ? Mais un regard attentif... Il y a un problème de micro, là. Oui, mais le cœur y est-il ? Un regard attentif nous indique que le soldat, que l'objet de la fête du 14 juillet n'est pas vraiment le soldat, n'est pas vraiment l'armée, ni même la nation, ni même, je crois, la révolution, mais la fête elle-même. Comme au moment de la fête de la musique, de la fête du patrimoine ou de la fête de Noël. D'ailleurs, la fête du 14 juillet est enveloppée dans une fête encore plus vaste qui a lieu en même temps, qui l'a fait oublier l'après-midi même du défilé, l'après-midi même du défilé militaire. Il y a un autre défilé, le défilé des coureurs du Tour de France, les Français se précipitent sur la télévision pour voir cet autre défilé le jour même. Or, il y a un rapport quand même entre les deux. Le rapport, c'est que ce que l'on fête le 14 juillet, ce n'est ni la nation, ni l'armée, ni la révolution elle-même. Ce que l'on fait, c'est exactement la même chose que le défilé des coureurs cyclistes l'après-midi, c'est la fête. C'est la fête qui se mord la queue. La fête tourne à vide sur elle-même. Par ailleurs, les discours tenus sur le soldat ce jour-là, les discours officiels à cette occasion, avalisent, quand on les écoute bien, me semble-t-il, cet oubli du soldat, puisqu'il est question d'autre chose que de ce qui anime le cœur et l'âme du soldat. Il est question de ce pourquoi il se bat ou il voudrait se battre, et de ce pourquoi il tue, vit et meurt. Il est question des droits de l'homme, il est question de la démocratie, chose tout à fait estimable, mais je ne suis pas sûr que ce qui anime le soldat, ce soit les droits de l'homme et la démocratie.
le 14 juillet, nous sommes, me semble-t-il, au moins partiellement, dans l'élément de la parodie, et cela est particulièrement gênant. Alors, le soldat, là où on le voit encore, deuxième élément de réponse à la question. Les missions militaires aux quatre coins de la planète ne manquent pas. En Afrique, actuellement, hier en Libye, demain peut-être, nous verrons en Syrie. Mais ces militaires que l'on envoie sur ces théâtres d'opération, ces militaires qu'on appelle soldats, sont-ils encore, précisément, au sens précis et plus ancien du terme, dans ces missions mêmes, sont-ils encore des soldats? Les objectifs qui leur sont fixés forcent à se poser cette question. Il ne s'agit pas de guerre contre des nations, ce que l'on a toujours appelé des guerres. Il ne s'agit pas d'affrontements nation contre nation, peuple contre peuple, histoire contre histoire, contre longue histoire. Par exemple, les affrontements entre ennemis héréditaires, français, anglais, allemand, étaient bien entendu des affrontements longue histoire contre longue histoire, mais d'opérations de police internationale à la poursuite de délinquants qui sont soit des terroristes, soit certains régimes politiques dénoncés comme étant des États voyous, et non comme des ennemis. Le délinquant et l'ennemi sont deux réalités différentes. Nous envoyons des soldats pour traquer des délinquants, non pour vaincre des ennemis. Dans ces opérations, le militaire joue tous les rôles, sauf du fait de l'évaporation de l'ennemi, celui que l'histoire traditionnellement attribuait aux soldats, il est tour à tour policier international, intervenant humanitaire et même infirmier et même pédagogue. Pédagogie à double visée. Il s'agit en effet d'une part d'enseigner par la force aux États récalcitrants les droits de l'homme et la démocratie, et d'autre part de montrer aux populations de ces États que la démocratie est le meilleur des régimes possibles et que les droits de l'homme sont évidemment la seule chose vraiment admirable en ce bas monde. Bref, le soldat est remplacé par quelque chose qui ressemble au soldat, qui en a l'apparence extérieure, qui porte le même nom, mais qui n'est plus ce qu'on appelait il y a peu encore, mettons jusqu'à la guerre d'Algérie, le soldat. Il est remplacé par le militaire, le personnel militaire, comme disent aujourd'hui les textes officiels. Il est chargé de rétablir la démocratie, de défendre les droits de l'homme. Bref, il est remplacé par le militant. Celui qui défend les droits de l'homme et rétablit la démocratie, c'est un militant. C'est l'idée et non plus la nation qui ordonne son service. La nation est absorbée par l'idée, ingurgitée par l'idée, digérée par l'idée, en affirmant, lorsqu'on affirme ainsi la consubstantialité entre la France, les droits de l'homme et la démocratie. Et dans cette affirmation, la France, les droits de l'homme, la démocratie, c'est la même chose, que fait-on? Eh bien, on réduit la France à l'idée, à une seule idée. Idée, je le répète, tout à fait estimable, mais la France, ce n'est pas que cette idée. Cela déborde largement cette idée, et ça a une histoire beaucoup plus ancienne que l'idée des droits de l'homme et de la démocratie. Or, le militant, c'est précisément quelqu'un qui défend une idée. Il est, si l'on veut, le soldat d'une idée, étymologiquement même. Militant, c'est... Bon, les États européens d'aujourd'hui habillent le militant de l'uniforme du soldat, lui donne les armes du soldat, tout en faisant disparaître le second au profit du premier. Ils ont substitué au soldat le militant idéologique. Naguère encore, le soldat se battait pour la nation, mourait et tuait pour elle. Il était dans son sacrifice, adossé à l'histoire longue de la nation, celle qu'enseigne l'histoire. Le militant déguisé en soldat se bat, lui, pour des idées, même s'ils ne sont pas les siennes, pour l'histoire courte d'une idéologie. Bref, la place du soldat est une place vide dans notre imaginaire collectif. C'est aussi le cas de la place de la guerre, mais je ne parlerai pas de la guerre. Peut-être que le général Descorps... Je vais m'y efforcer. Voilà. Dans une dizaine de minutes, patientons une dizaine de minutes. Alors, l'une des causes de ce vide, je vais essayer de parler de quelques-unes des causes de ce vide, c'est l'ombre portée du nazisme. La défaite militaire du nazisme a été une défaite paradoxale. Elle s'est transformée en victoire. Je ne veux pas dire victoire idéologique, non, mais en victoire psychologique. La défaite militaire et idéologique du nazisme a été la condition de sa victoire psychologique. Je m'explique. J'en veux pour preuve la référence constante au nazisme, à Hitler, la fréquence de la réduction ad Hitlerum dans les discours politiques, journalistes et, hélas, intellectuels, où qui
intellectuelle, oui, il y a un nombre d'exemples où la réduction ad Hitlerum dans le monde intellectuel, hélas, fonctionne. L'époque, Hitler est donc, et le nazisme sont donc omniprésents dans l'époque actuelle, qui craint son retour, ou je crois plutôt qui fait mine de craindre son retour, qui s'affole de ce retour, alors qu'il s'agit de réalités historiques mortes depuis plus de 70 ans. Le souvenir du nazisme contamine ce dont le nazisme s'est servi, l'armée, la guerre, l'uniforme, la nation, le drapeau, provoquant un amalgame répulsif entre ces réalités et l'idéologie nazie. Plus, la haine de soi qui caractérise l'Europe actuellement et qui la paralyse, ce sanglot de l'homme blanc, cher à Pascal Bruckner, fait partie de cette victoire psychologique du nazisme. Dans leur opposition à tout ce qui relève de l'ordre du militaire, leur antimilitarisme facile, leur opposition à la puissance, à la nation, dans leur pacifisme autant que dans leur haine de soi, les Européens se révèlent psychologiquement dépendants du nazisme. Autrement dit, les nations de l'extrême-ouest européen ont été radicalement, psychologiquement radicalement transformées par l'épisode nazi. Elles ont été psychologiquement affaiblies. Affaiblissement qui rend raison de la distorsion entre leur poids économique. N'oublions pas que la zone euro est la première zone économique du monde, donc la distorsion entre leur poids économique et leur poids politique. Approfondissons cette notion de victoire psychologique du nazisme. La guerre, le soldat, la nation sont peu à peu devenus des tabous. Non au sens d'objets qu'il faudrait protéger, les tabous à notre sens, au sens où il est interdit d'y toucher. Interdit d'y toucher, c'est-à-dire interdit d'y penser. Non pas interdit d'y toucher au sens de les abîmer, mais interdit d'y toucher par la pensée. C'est cela le tabou aussi. Le soldat et la guerre ne sont plus pensés dans le champ philosophique depuis 1945, du moins je ne connais que deux exceptions, c'est Raymond Aron et André Glucksmann. Bref, des questions comme « qu'est-ce que la guerre ?» ou « qu'est-ce qu'un soldat ?» furent exclues de l'ordre du jour, devenant des questions impossibles. D'ailleurs, que signifie « impossible » ? Alors, mon premier sens, plat, banal, impossible, le soldat ne fait plus rêver, la jeunesse ne songe plus à lui comme un modèle, un idéal admirable, les familles ne souhaitent plus la carrière des armes pour leurs fils. On rencontre chez Freud, dans un article qui s'appelle « Analyse terminée et analyse interminable », une féconde remarque sur les métiers impossibles, hein, dans Sigmund Freud. Le père de la psychanalyse nous dit, je cite trois lignes, « Il semble que l'analyse soit le troisième de ces métiers impossibles dans lesquels on peut d'emblée être sûr d'un succès insuffisant. Les deux autres, connus depuis longtemps, sont éduqués et gouvernés. » Fin de citation, Freud. Le soldat, je crois, rejoint ce club des métiers dont on remarquera qu'ils sont, puisqu'il y a gouverné et éduqué, dont on remarquera qu'ils sont chacun des vocations liées à la question du temps, à la profondeur du temps, à la mémoire et à la transmission. Ça devient impossible comme métier quand la profondeur du temps est en jeu. Donc je crois que le soldat rejoint ce club des métiers impossibles désignés par Freud. Mais impossible signifie autre chose. Impossible ne signifie pas seulement qu'il échoue nécessairement, quoique ce soit toujours partiellement, ainsi que Freud le note, mais aussi, ce qui explique, me semble-t-il, cet échec, impossible signifie dont la vocation ne peut plus être comprise par autrui, qui n'est plus compris par autrui, qui échoue à se faire comprendre par autrui et à se faire comprendre d'autrui. Donc, ce n'est pas seulement un échec dans la réalisation, mais surtout un échec dans la communication de, ici, de ce que le soldat porte de plus profond. Donc, impossible, c'est qu'il n'est plus compris, que l'imaginaire collectif ne comprend plus. Le soldat devient aussi étrange à cet imaginaire collectif, contemporain que l'était le persan. Comment peut-on être persan, n'est-ce pas, au contemporain de Louis XIV? Comment peut-on être persan? Comment peut-on être soldat? Le soldat, tel que les médias le représentent, tel que les politiciens en tressent l'éloge, en insistant sur le sacrifice pour des valeurs et non sur le sacrifice pour la nation et son histoire, et du coup, le soldat tel que l'imaginaire collectif le perçoit, et du fait de cette étrangeté à l'imaginaire collectif contemporain, le sosie du soldat, en fait. Celui dont on parle, celui que les médias représentent, c'est un sosie. Au défi, ainsi, pour le dire avec un peu d'ironie, mais pas seulement, au défilé du 14 juillet, les soldats, vu ce que les Français ont dans la tête à ce moment-là, vu ce qu'il leur est dit par les médias, eh bien les soldats voient défiler le sosie du soldat,
parce qu'ils ne peuvent plus, ces Français, avoir accès à l'imaginaire de ce qu'est le soldat, à sa vérité. Donc impossible désigne donc ce à quoi l'imaginaire collectif n'a plus accès. Relisez les sermons et les discours de Bossuet et vous aurez affaire à l'impossible en ce sens-là. Vous n'avez plus, moi non plus, accès à ce dont on parle, à ce dont parle Bossuet. Donc l'imaginaire collectif n'a pas plus accès aux soldats qu'il ne l'a à l'univers de Bossuet. Un mur s'est élevé entre certains êtres exerçant un certain rôle social dont notre ami a insisté sur l'importance tout à l'heure, et la société. Donc nous retrouvons Freud, si ces métiers échouent nécessairement, c'est parce que, du fait de l'hétérogénéité entre leur imaginaire propre et l'imaginaire collectif dominant, ils échouent à être compris, ils sont impossibles. Cet impossible-là est, pour parler comme Martin Heidegger, un casse-tête. Pas seulement un mur contre lequel on se cogne la tête, mais aussi un mur qu'il faut fracturer d'un coup de tête qui s'appelle pensée. Nietzsche disait « pensons à coups de marteau », mais nous pouvons penser aussi à coups de tête, ces coups de tête qui fracturent des murs. Deuxième et dernière question, quelles sont les données qui rendent le soldat impossible au sens où je l'ai développé? En premier lieu, intervient le refus de la transmission dont le prototype se trouve dans la mise à mort par l'éducation nationale en France de l'enseignement de l'histoire. Clovis, Charles Martel, Saint-Louis, François Ier, Henri IV et d'autres ont été éliminés des programmes d'histoire au profit, dit le ministère de l'éducation nationale, que je cite, au profit de l'enseignement des civilisations extra-européennes. La statue d'Henri IV sur la place de Nérac, pensons au village de Nérac dans Lot-et-Garonne, dédiée à Noste Henrik, ne dira bientôt plus rien à personne. La transmission est celle du passé comme passé national. Sans elle, la nation et la patrie finiront par disparaître, car nation et patrie sont bel et bien des êtres d'imagination. Sans elle, ce refus de transmettre, qui est, je crois, fortement lié à la victoire psychologique du nazisme, dont je parlais tout à l'heure, ce refus de transmettre le passé s'articule à un présentisme, à la réduction du temps à un seul moment, le présent, à l'étouffement des autres dimensions du temps qui règne aujourd'hui sur la société. Ce présentisme, sorte de mort du temps, est induit par deux choses. D'une part par l'évolution des technologies de la communication et plus lointainement par le capitalisme de consommation qui s'impose planétairement. Alors Karl Marx, pour une fois je vais être marxiste, mais Marx est un auteur que je lis beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste, en 1848, avait génialement, c'est le seul aspect que l'on puisse encore conserver du manifeste, mais c'est en même temps son idée la plus géniale dans le manifeste, avait génialement épinglé le capitalisme comme étant une sorte de révolution permanente, bouleversant sans cesse tous les ordres, balayant ce qu'il ne cesse de construire lui-même, ce qui, on le conçoit, disqualifie la longue durée, la tradition et la mémoire. Nous en sommes donc au point suivant. L'accès des nouvelles générations et même de toute la société à l'histoire nationale est barré. Je m'explique. À l'histoire comme héritage vivant, à l'histoire comme quelque chose qui vit dans les cœurs et dans les âmes, à l'histoire comme la flamme qui anime les cœurs et les âmes. Dans le même temps, nous vivons une inflation d'histoire sous la forme du patrimonial, c'est-à-dire d'une histoire morte, d'une histoire qui ne vivifie pas, le patrimonial étant bien une sorte de cimetière. Dans cette perspective patrimoniale, le passé n'est pas quelque chose dont on hérite. Il est une nécropole que l'on visite en touriste. Il s'inscrit dans la transformation de notre pays en parc d'attractions pour les touristes. Cette conception patrimoniale de l'histoire transforme la France en un pays sorti de l'histoire. En retraite de l'histoire, Saint-Jean, en même temps, de manière tout à fait inoffensive, sonne l'histoire devant les touristes. Or, le but poursuivi à travers ce rapport mort à l'histoire, c'est de fabriquer des, je vole un mot à l'écrivain Renaud Camus, c'est de fabriquer des inhéritiers. Or, le soldat est le contraire. Le soldat, c'est un héritier. Il continue l'histoire longue de la nation qu'il reçoit en héritage, qui vit en lui. Le règne de l'inhéritier, de ce genre d'individu que l'école, mais pas seulement l'école, les médias fabriquent aujourd'hui, rend le soldat impossible en l'un des sens de ce mot incompréhensible. Alors ensuite, donc, cela c'était le premier point, la question de l'héritage. Le deuxième point, c'est le règne de la femme. En second lieu, intervient le règne de la femme, le résultat de la décomposition du christianisme, dans lequel ce règne était en germe, mais contenu
maîtrisée. Ce règne de la femme entraîne la domination des valeurs féminines. Les valeurs féminines, la douceur, l'épanouissement, la fluidité, la société liquide, comme dit Zygmunt Bauman. Or, ces valeurs sont également, je crois, celles du catholicisme. On se souvient de Michelet, Jules Michelet. Le catholicisme est la religion de la femme, très profonde de vérité, me semble-t-il. C'est le catholicisme qui a, au fil des siècles, imposé ces valeurs, imposé les valeurs féminines. Il existe, Nietzsche d'ailleurs nous le signale, une consubstantialité entre le catholicisme et la femme. Il faut cependant nuancer la pensée de Nietzsche. Le christianisme, lorsqu'il se décompose, lorsqu'il se perd en tant que religion ritualisée, organisant fortement la vie collective, ce qu'il a longtemps été, lorsqu'il se perd en tant que religion de la femme, Ève, Marie, que nous divinisons presque, devient la religion de la femme, mais le règne de la femme. On passe de la religion au règne. C'est la décomposition qui fait passer de la religion au règne. Donc la religion de la femme était un frein au règne de la femme. Le christianisme, en particulier le catholicisme, n'est entièrement féminin qu'à partir du moment où il s'est complètement dissous dans la société sous la forme d'un moralisme vague, de l'idéologie des droits de l'homme, du culte universel de la victime, etc. Bref, à partir du moment où chacun reste chrétien, sans le savoir et tout en ayant cessé de croire. Ce règne et ses valeurs dessinent les traits d'une ère que Luc Ferry appelait la civilisation de l'amour. Celle-ci est incompatible avec le soldat, au sens traditionnel du mot. Alors, en troisième lieu, nous avons vu surgir une nouvelle attitude face à la mort. L'allongement de l'espérance de vie, l'éclipse de la mort dans la cité, la mort n'est plus une réalité que l'on côtoie quotidiennement dans la rue, qui sont deux faces de l'événement qu'un sociologue comme Paul Yonet a appelé le recul de la mort. Cela montre, recul de la mort, en quoi il faut, je crois, voir le plus grand événement des derniers siècles. Et il faut songer qu'entre 1800 et aujourd'hui, l'espérance de vie, notre espérance de vie a presque triplé. C'est cela le plus grand événement des derniers siècles. L'espérance de vie était de 30 ans à la fin du 18e. Bon. Cette mort s'est raréfiée, a disparu de l'espace public, a déserté l'espace public. Une nouvelle attitude face à la mort rend impensable les sacrifices, le sacrifice de sa vie pour la nation et pour son histoire. À peine tolère-t-on ce sacrifice pour des idées comme celle de démocratie et des droits de l'homme. Et encore, est-ce par procuration, nous demandons désormais à certains hommes de mourir pour nos idées, mais nous n'irons pas. Nous leur demandons de mourir en Afghanistan, en Libye ou à Bangui pour nos idées, mais pas comme ça par procuration. Plus aucune famille n'accepterait de sacrifier l'un de ses enfants à la guerre. Le soldat, qu'est-il ? Il est la mémoire d'un rapport à la mort qui n'est plus celui de nos contemporains. Peut-être est-ce pour ça qu'on ne le voit plus dans la rue. On ne voit plus la mort, on ne voit plus le soldat. On ne voit plus le soldat parce qu'il est la mémoire de ce rapport à la mort qui s'est effacé. Il porte sur lui cette mémoire, d'où son rejet aux marges, ou dans la coulisse invisible de la société. La mort, comme le soldat, n'est plus présente que sur les écrans, au cinéma ou à la télévision. Enfin, dernier point, il faut tenir compte du culte de la victime. Pour accéder au sommet de la valeur symbolique dans notre société, certains groupes entrent dans le jeu de la concurrence des victimes. Rien d'autre que cette concurrence des victimes, que cette course effrénée et sans scrupule à la position des victimes, ne montre le statut majeur de la victime auprès de nos contemporains. Or, la victime est une usurpatrice. N'ayant plus ni saint ni héros, c'est-à-dire n'ayant plus de martyr, nous avons des victimes. La victime usurpe la place du martyr, comme elle usurpe celle du saint, comme elle usurpe celle du héros. Mais tandis que les figures du saint et du héros sont vivifiantes, lorsqu'on se souvient d'elles, De Gaulle en 40 ou Thérèse d'Avila, pour laquelle j'ai une immense admiration et adoration, Sainte Thérèse d'Avila, la victime n'incite à rien. Le saint et le héros incitent au sacrifice, au dépassement de soi, à l'ascèse. Elle incite à être exceptionnelle.
Le saint, le héros, incite à cette exceptionnalité, mais la figure de la victime, qui n'a rien fait de particulier pour être élevée à cette dignité, sinon qu'un accident lui tombe dessus, qui est généralement consternante de banalité, si ce n'est de médiocrité, n'incite à rien qui dépasse la vie ordinaire, car, précisément, la victime manque de la dimension héroïque du sacrifice. La victime est la parodie du saint, la parodie du héros, la parodie du martyr qui surgit après la mort de Dieu, en ces temps où le ciel s'est changé en un désert, en ces temps que l'on peut appeler, pour reprendre une formule célèbre, l'ère du vide. J'ai dit tout à l'heure que le 14 juillet mettait en scène deux parodies, celle de l'attachement à la nation et celle de l'attachement aux soldats. Le culte de la victime, lui, souligne aussi la dimension parodique de notre société, parodie du saint et du héros. D'ailleurs, notre société, c'est moins, contrairement à ce que pensait Guy Debord, une société du spectacle qu'une société de la parodie. Donc le discours officiel sur les valeurs prend la place du discours sur la nation. Il suggère que les seules idées, quelques idées, valent comme meurent pour elles. Ce discours s'entend lors des cérémonies auprès de la flamme du soldat inconnu. Il s'entend dans la cour des Invalides, lors d'hommages aux militaires morts en opération. On ne dit plus au feu, ou de moins en moins souvent, on dit en opération. Il s'entend au monument aux morts lors des commémorations. Allez-y, vous entendrez. Ce discours sur les valeurs, cette justification de la mort des soldats par les valeurs, alors forgeons le mot axiodicée, justification de la mort des soldats par les valeurs, est le contraire de ce que louait Charles Péguy, heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle. Les valeurs et la terre charnelle, ce n'est pas la même chose. Plus aucun officiel ne dit que les soldats sont morts pour la terre charnelle, comme Péguy l'écrivait. Pour la France, non comme porteuse de valeurs, mais comme personne dont la terre est la chair. Et pourtant, les soldats du passé, dans leur immense majorité, sont morts pour cette chair. La terre, ont sacrifié leur chair pour que vive cette autre chair, la chair nationale qui est la terre, qui est la leur, qui est celle de leur pareil, dans laquelle ils sont enveloppés, morts, qui est la nôtre, la terre, la France comme terre. Toute société fabrique un certain type d'être humain. J'appelle anthropofacture cette activité. La conjonction du règne de la femme. Alors le règne de la femme, oui, je veux dire la féminisation aussi des hommes qui caractérise notre époque, la transformation progressive des hommes en femmes, ou la disparition des hommes qui est l'horizon du féminisme militant et triomphant. Donc la conjonction du règne de la femme, du présentisme, c'est-à-dire la destruction du temps au profit du seul présent, et avec l'élimination de l'histoire nationale, des programmes de l'enseignement primaire et secondaire, signale l'anthropofacture contemporaine, la fabrique des inhéritiers. L'inhéritier est absolument incompatible avec le soldat, mais pas avec le policier international, en quoi on veut transformer le soldat aujourd'hui. Alors concluons, nous ne croisons plus le soldat dans la rue, il n'est plus présent à l'Assemblée nationale ni à l'Académie française, il est sorti du paysage, n'existant plus que sur les écrans de cinéma et de télévision. Le soldat s'éloigne de nous parce que sous l'effet de transformations anthropologiques, du règne de la femme, de la victime, etc., de l'approfondissement aussi du capitalisme, entendu comme révolution permanente, s'éloigne de nous, ensemble, le héros, le saint, la nation, la patrie, le sacrifice, l'héritage. Il s'éloigne de nous aussi parce que c'est imposé la repentance. Ainsi, des soldats morts au feu en Algérie. On ne dit plus qu'ils sont des héros morts pour la France, ce qu'ils sont pourtant. Encore moins qu'ils sont morts pour la terre charnelle, mais leur Algérie, c'est aussi la terre charnelle de la France, mais qu'ils sont des victimes de la guerre, au même titre que les combattants du FLN et les civils des deux camps. Voilà comment, officiellement, l'État français a parlé récemment des soldats morts à la guerre d'Algérie, victimes de la guerre. Des victimes de la guerre. Non pas des héros morts pour la France, des victimes, j'insiste sur victimes. Et l'on voit là le rôle aussi de l'idéologie de la victime, si vous voulez. Et c'est à ce second titre uniquement qu'on les honore comme victimes de la guerre, gommant aussi bien la différence entre mort militaire et mort civile, que celle entre les deux camps belligérants, ce qui traduit d'ailleurs l'effacement de l'ennemi. Une pareille présentation est une négation de leur sacrifice. Cela revient à les tuer une seconde fois. « Je vivais à l'époque où finissaient les rois », écrivit Guillaume Apollinaire dans son poème « Vendémiaire ». Faudra-t-il, pour ma part, que je dise « Je vis à l'époque où finit le soldat ». Je vous remercie pour votre attention.